Emmanuel Chadari n'a pas, encore, été déguerpi de sa maison à Kinshasa. Plusieurs journalistes ont en effet évoqué un présumé déguerpissement d'Emmanuel Chadari, secrétaire permanent du PPRD, parti de Joseph Kabila, de son domicile au centre-ville de Kinshasa. Mais juste mardi soir, l'ancien candidat à la présidentielle occupait toujours les lieux. Selon des proches de Chadari, il y aurait bel et bien volonté politique de le déguerpir. Mais aucune notification n'a été faite jusqu'à présent. Nous avons appris les bruits de couloir, mais personne n'est venu nous notifier de quoi que ce soit. Cette maison a été acquise légalement et il n'y a pas d'affaire. S'il y a lieu, la justice tranchera, explique un proche de M. Chadari. Selon des informations de politico.cd, la justice a en effet été saisie sur le cas de cette maison qui appartenait jadis à l'État, mais qui a été cédée à M. Chadari. Nous travaillons actuellement pour savoir dans quelles conditions cette maison a été récupérée des mains de l'État pour lui être confiée. S'il s'avère que les lois n'ont pas été respectées, il sera bel et bien déguerpi, nous confie une source. Candidat malheureux à la présidentielle de décembre 2018, Emmanuel Ramazani Chadari traverse en effet une zone de turbulence vis-à-vis du pouvoir de Félix Tshisekedi. Alors qu'il a longtemps titillé le nouveau chef de l'État, Chadari a vu les services le rappeler à l'ordre. Le week-end dernier, il a même été interdit de voyager avec un passeport diplomatique qu'il n'avait plus droit de posséder. La veille, il menaçait de paralyser le pays si jamais on touchait à Albert Youmé, dirigeant de la Gécamines et cadre de pouvoir de Joseph Kabila, qui est également sur les viseurs de la justice congolaise. Félix Tshisekedi et les ministres du FCC, qui bloquent qui ? Au cours du dernier du Conseil des ministres qu'il a présidé ce vendredi 24 janvier à Kinshasa, le président Félix Tshisekedi a réitéré sa position donnée à Londres selon laquelle il ne laissera personne entraver, par diverses manœuvres, la concrétisation de l'aspiration du peuple congolais au changement. Il a indiqué qu'il n'hésitera donc pas à prendre ses responsabilités, dans le cadre de ses prérogatives constitutionnelles en cas d'obstruction de son action, d'où qu'elle vienne, si on l'y poussait. Le président de la République a néanmoins invité les uns et les autres à la retenue dans les propos, au respect des institutions et à la sincérité dans l'accomplissement de ses missions, avait rapporté David Jolino Maclellé, ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement. Une menace déjà brandie à Londres devant la diaspora congolaise, ceux qui essaieront d'arrêter mes actions au nom du peuple, quitteront le gouvernement. Depuis un moment, le président de la République et ses collaborateurs accusent certains ministres du FCC de bloquer l'action gouvernementale et de travailler pour saper son mandat. Parmi ces ministres pointés du doigt, il y a Célestin Tinda Yakazand de la Justice, Yala Gulli des Finances et Clément Gvut du Portefeuille. De l'autre côté, le président Félix Antoine Tshisekedi est accusé de bloquer le fonctionnement du gouvernement et d'accuser gratuitement les ministres FCC de bloquer son action. Depuis la mise en place du gouvernement Sylvestre Ilunga jusqu'à ce jour, 6 mois déjà, le président n'a pas encore signé 2 ordonnances présidentielles. L'ordonnance portant fonctionnement du gouvernement et modalités de collaboration entre le président et le gouvernement. Et l'ordonnance fixant les attributions des ministères. Or, sans ces ordonnances, plusieurs ministres, y compris ceux du CAC, ne savent pas quoi faire, surtout qu'il y a des ministères dirigés par 3 animateurs, ministres, ministres délégués et vice-ministres. Seules ces ordonnances devront déterminer les tâches et attributions de chacun, nous souffle des sources au sein du FCC. D'où la question, entre Félix et ministres du FCC qui bloquent qui ? D'un côté, le gouvernement Ilukamba qui attend ses ordonnances pour qu'il soit en mesure de fonctionner et d'être opérationnel et de l'autre, Félix Tshisekedi qui rejette la balle aux ministres membres du Front commun pour le Congo. Ces derniers, selon son directeur de cabinet, auraient saboté son programme de 100 jours. Entre-temps, le pays continue à croupir dans la misère avec un taux d'inflation à la hausse, le taux du dollar qui tend vers 1800 FC et les prix des denrées alimentaires qui montent en flèche. À qui finalement profite ce jeu de ping-pong entre le président de la République et ses ministres ? Qui bloque qui finalement ? La question finalement est restée ouverte.
Félix Tshisekedi et la stratégie du bouc émissaire. Un an après l'avènement de l'historique alternance pacifique en République démocratique du Congo, la rupture communicationnelle au sommet de l'État est sans conteste. Après près de deux décennies marquées par un « profond silence » de Joseph Kabila, non sans signification, le président Félix Tshisekedi, fils d'un tribun, ne loupe pas les occasions, surtout à l'étranger devant les foules, de communiquer sur sa vision du Congo, son pouvoir, ses relations avec son prédécesseur, la coalition entre le CAC et le FCC, ses rapports avec les partenaires régionaux et internationaux, etc. Ce point frappant lui attire plusieurs faveurs. Autant ça l'expose à des critiques, parfois acerbes tant sur le fond que la forme. Tel le cas de sa récente sortie médiatique à Londres sur l'éventualité de la dissolution, à son initiative, de l'Assemblée nationale. Plutôt que de m'engager dans le très nourri débat en cours sur le bien fondé des propos du chef de l'État, à restituer dans son contexte, je préfère questionner le « pourquoi » de ses déclarations faites en pays étranger et, surtout, à quelques heures de la célébration du premier anniversaire de l'alternance. Au titre d'hypothèse, je postule pour la mise en œuvre d'une stratégie visant à susciter le renouvellement du soutien populaire en dépit du caractère mitigé du bilan d'étape du quinquennat du chef de l'État. Encore que parler du bilan est quelque peu exagéré compte tenu du fait que le gouvernement, qui a la responsabilité constitutionnelle de conduire la politique de la nation, n'a été mis en place qu'en septembre dernier. Soit 8 mois après l'investiture du chef de l'État. Après un discours sur l'état de la nation qui a semblé exacerber la controverse sur l'action du président de la République, la stratégie du camp présidentiel, conscient des nombreuses attentes de divers ordres des Congolais, la recherche d'un bouc émissaire semble pouvoir mieux justifier le rythme extrêmement lent du changement promis aux Congolais en mal de patience. Après une année de repérage des signes distinctifs dans un contexte d'apaisement avec successivement son allié politique, le FCC, l'opposition politique, prompte application des mesures de décrispation politique, l'Église catholique, les partenaires régionaux et internationaux, le camp présidentiel donne à penser qu'il est actuellement dans la phase de détecter des signaux négatifs susceptibles de porter atteinte à l'image du président Félix Tshisekedi dont la communication insiste sur ça. Détermination à servir sans réserve le peuple. Face à une opposition encore en quête de repères et de discours pour se crédibiliser, le regard dans la mise en œuvre de cette stratégie est tourné vers la coalition dont les problèmes de cohérence et de discipline des membres étaient prévisibles. La stratégie du bouc émissaire participe ainsi de l'ambition de charger le peuple dans l'optique de l'attribution des signes d'incarnation de L, ennemi politique, à anéantir symboliquement pour se mettre à l'abri d'un éventuel danger. Relevant du longtemps dans sa mise en œuvre, elle peut viser, par rapport à l'organisation du décideur, les personnes internes et / ou externes, présentées, à tort ou à raison, comme étant des auteurs de l'échec réel ou éventuel de l'action du pouvoir référentiel. Ceci amène à propager et à diversifier les objets de la discorde, en insistant sur le « S » sujet « S » à mettre en quarantaine, au besoin. Pendant longtemps, la RDC s'est projetée au-delà de ses frontières nationales pour identifier le bouc émissaire de ses nombreux maux à la base de sa torpeur. L'alternance politique semble renverser la tendance en orientant la recherche du bouc émissaire, d'abord, à l'intérieur du système. Dès lors, l'objectif consiste certainement à mettre à l'épreuve l'allié de la coalition, le FCC d'une hétérogénéité évidente et non sans inconvénient, dont l'influence pourrait, au pire de cas, nuire à l'image du président de la République auprès de l'opinion publique nationale et internationale en attente du concret promis. Reste à savoir si le peuple, au-delà de la base du camp présidentiel, va mordre à cette stratégie, et si les moyens de détection et de désignation du bouc émissaire sont à la hauteur du défi afin d'en assurer une puissance mobilisatrice dans la durée pour persuader ce dernier à saisir le message et à y répondre favorablement. En effet, la réussite de cette stratégie consiste à élargir l'assiette des partisans dans la lutte contre la personne physique ou morale mise à l'épreuve à l'effet de l'obtention de son dévouement au bénéfice de la consolidation du pouvoir référentiel. C'est très risqué que de s'y engager, sans garde-fou préalable, car il n'y a pas à exclure les effets boomerangs.
Non seulement parce que le recours à cette stratégie requiert auparavant de réduire au maximum le risque de subir des accusations sur l'objet de désignation du bouc émissaire, anti-valeur, incompétence, etc., mais aussi il impose le développement de la cohérence entre la parole et l'action pour crédibiliser la démarche du désignateur du bouc émissaire. En donnant à penser de cibler au premier rang le FCC dans la mise en œuvre de la stratégie du bouc émissaire, pour assurer l'ancrage et la solidité de son pouvoir, le camp présidentiel atteste une demande de concession de plus de la part de son allié pour augmenter le gain politique du CAC. Il y va du calcul stratégique en négociation. Par ailleurs, le camp présidentiel exprime sa flexibilité à une possible et inédite alliance avec toutes les autres forces sociales pour mieux résister à une éventuelle ambition de prépondérance du FCC. D'où la posture discursive de la menace de la dissolution du Parlement, à l'initiative du chef de l'État, en cas de crise persistante entre l'Assemblée nationale et le gouvernement. En réalité, un divorce entre ces deux dernières institutions nationales paraît très peu envisageable parce que dominé par le FCC. A priori, le message est bien passé. Et le feedback, qui n'a pas tardé, donne des indications de la complexité du rapport institutionnel et extra-institutionnel entre le FCC et le CAC. Les forces sociales, politiques et officiellement apolitiques, sont-elles assez mobilisées et persuadées pour soutenir le président de la République de faire triompher son pouvoir face aux contraintes de la logique de coalition? Voilà l'inconnu qui confirme que la politique relève essentiellement du possible. Il n'y a pas à exclure que la stratégie du bouc émissaire conforte le camp présidentiel ou lui nuise sérieusement. Il lui revient de faire montre d'intelligence stratégique pour mieux maîtriser la dynamique des enjeux et des impératifs de l'heure et du futur. La stratégie du bouc émissaire viserait à terme à créer les conditions stratégiques de l'atteinte du résultat annoncé, la conversion des mentalités et le changement, positif, de la situation du Congolais.